Personnellement, je tablerais plutôt sur des décennies que sur quelques années en termes de travaux. Avec une première phase de diagnostic qui va être extrêmement importante, donc déterminer qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qu'on peut conserver, une phase de maîtrise d'œuvre pour faire des choix de restauration avant même de pouvoir engager les travaux de reconstruction. Entre 10 et 15 ans paraît raisonnable, compte tenu qu'avant de commencer à restaurer, il va falloir déjà mettre en sécurité le site. Et là, ça va nous demander énormément de travail, puisque au-delà de l'étayement de la confortation, il va falloir monter un échafaudage avec un parapluie pour pouvoir couvrir la totalité de la couverture qui a disparu pour assurer une protection contre les intempéries. La nouvelle édition spéciale au chevet de Notre-Dame de Paris.